On va entamer du coup cette causerie, parler de la 7e journée. On a OK Châtellerault qui est juste devant nous à 3 points, qui est une équipe je pense un petit peu dans le même profil que nous, qui a un début de championnat compliqué, mais c'est surtout sur nous, je veux qu'on se concentre, parce qu'on monte en puissance. Ce qu'on propose c'est de plus en plus cohérent, pardon. Maintenant il faut que ça se concrétise. D'accord ? Donc, tout ça c'est ensemble qu'on va devoir aller chercher cet objectif. D'accord ? La communication très importante. Le plan de jeu, concentration maximale, d'accord. Voilà, préparation. C'est ce que je veux dire. C'est juste que s'adapter en fonction de ce qui se passe en face. Allez, c'est parti. Allez. Au-delà du plan de jeu, au-delà de l'aspect tactique, technique, il va falloir gagner ses duels, être solide, solidaire. On lâche rien, on est à la maison, on va aller chercher les points. Ok ? Et quoi qu'il arrive, on ne baisse pas la tête. Quoi qu'il arrive. Qu'on en prenne, qu'on en mette, on reste focus. D'accord ? Tout le match, focus. Et ensemble. Ok les filles ? Allez, bon match. Allez les filles, allez. Soyez confiante, il y a la place encore une fois. Il y a la place. Il y a la place. Prenez le temps de bien faire les choses. Il y a la transition, je vous l'ai dit, c'est une équipe agressive. Soyez agressive aussi. Défendez ensemble et en avançant. Et communiquez, communiquez. Qui sort, qui couvre. Ensuite, elle vient nous chercher à combien là ? Pour Marion, Eda et... Une seule. Donc, est-ce qu'on est en difficulté ? Non. Prenez le temps, soyez patiente. Par contre, une fois que je vais fixer, axe, on peut trouver intérieur entre les deux, sauf qu'on jouait directement sur central. Mais Madi, de côté Madi et côté Inès Labi, à chaque fois entre latéral et central, il y a un boulevard. Là, ce que j'aimerais qu'on puisse dire à la fin de ce match, c'est qu'on a mérité, on a été la chercher parce qu'on a fait ci, parce qu'on a fait ça. Et pas parce que malheureusement, on a fait une mauvaise passe intérieure, sinon on a fait un beau match, on a eu les occasions. Eh, plus de regrets là, il faut y aller. C'est aujourd'hui, elle est pour nous, hein. Là, on les a laissés espérer une mi-temps. Maintenant, on va reprendre le dessus. OK ? Allez, les filles, allez, allez.
souvent écrit sur, sur des matchs comme celui d'aujourd'hui, où c'est équilibré, on dira que ça joue à des détails. À des détails, on va se dire que tout leur sourit à elle. Rafurée, la gardienne, elle la relâche, c'est une de leurs joueuses qui est là. Elle va taper dans sa joue, elles ne sont pas punies, elles font une mauvaise prise de balle, elles ne sont pas punies. Et en fait, soit on se dit que ça se joue à des détails, soit on se dit que c'est à la détermination. Elles ont été peut-être à certains moments du match plus déterminées que nous. Je ne dis pas qu'on n'en avait pas, mais en tout cas pas assez. Pas assez pour gagner ce genre de match où le rapport de force est équilibré. Et on l'a vu depuis le début de saison championnat, on ne nous donnera rien. Il faut qu'on aille le chercher. Et encore une fois, c'est dommage. Oui, c'est dommage, ce que je vous disais à la mi-temps. Mais c'est ce qu'on dit en fin de match, c'est dommage. On a eu des occasions, elles en ont eu quelques-unes, un peu moins que nous, on en a eu. En deuxième, elles n'étaient pas franches non plus. Ok ? Donc dès mardi, encore une fois, on ne va pas baisser la tête. Dès mardi, on se remet au travail, et c'est parti. C'est parti. Et on doit se servir de ces matchs. Celui-ci était, dans le contenu, un peu moins bon que quand. Mais de manière générale, on était quand même en maîtrise. Donc ça, il faut le retenir. Ok ? Rendez-vous mardi. Allez, baissez pas la tête les filles. Hein. C'est encore long, hein. Le championnat est encore long.